Bienvenue sur la chaîne. On en avait parlé il y a quelques mois quand même, parce qu'entre temps il y a eu Covid, il y a eu tout ça. Le Beach Mad de chez LEM Motor, Made in China, c'est marqué dessus. Il s'en cache pas, le look est vraiment sympa. Je suis toujours agréablement surpris. J'ai pas roulé avec, hein, quasiment pas. J'ai dû faire même pas 30 km et pas forcément dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur les images, on a un véhicule qui est, il est bien foutu, il est bien fait. Par rapport à d'autres trucs de la même marque, du même importateur, ça on va en parler, ça va être moins rigolo. Mais en tous les cas, celui-là, bah, il tient la route en termes de qualité. On a des Duritavia, on a deux grosses pinces de freinage, parce qu'il n'y a pas de frein moteur évidemment. Sur la route, vous verrez que dans les descentes, ça ne sert à rien de rester accéléré parce que vous faites une surconsommation de courant. Vous prenez une partie de la batterie pour rien puisqu'il est en roue libre. Donc si ça descend, bah, laissez-le descendre. Alors il y a une petite astuce, hein. Ce véhicule, tout le monde l'a annoncé avec comme un Vanvan 90. À l'époque de Milan, tout le monde l'avait annoncé là-dessus. Faux. C'est immatriculé comme un 50 cm3 parce que à la base, vous ne dépasserez pas les 49 km/h. Je dis bien à la base parce que vous verrez que sur tous les modèles que j'ai pu voir, il y a un petit bouton vert. Et ce petit bouton vert, en fonction des combinaisons que vous faites, ça peut vous faire aller un petit peu plus vite. C'est-à-dire, si vous regardez bien dans le descriptif, il vous annonce un super boost à 3000 watts au lieu de 2000 watts. Ça vous emmène à 70 à peu près. Mais il ne faut pas le dire, c'est interdit, hein, parce que c'est homologué en 50. Porte-plaque, éclairage intégralement LED, comme vous pouvez le voir. Le combiné, je vous le montrerai tout à l'heure, oui, on est enfermé parce que dehors il fait d'abord très très chaud. Et puis, donc ça risque d'être au niveau éclairage catastrophique. Et puis on a beaucoup de cigales. Alors il y en a qui ne sont pas habitués, hein, alors je ne voudrais pas les brusquer. Et puis même en termes de son, c'est ingérable. Je l'ai fait une fois, je ne le referai pas, parce que à monter le son avec les cigales, c'est une fréquence qui est ingérable. Bien, voilà. De nouveau, sur les images, vous pouvez voir ce petit compartiment-là, qui va vous permettre de mettre des gants, une petite combine pluie. Dedans, vous voyez qu'il y a un disjoncteur, comme à la maison, hein, c'est la même chose. Vous pouvez mettre éventuellement le chargeur. Alors les temps de charge, c'est à peu près entre 4 et 5 heures, je dirais plutôt 5 heures, pour être full, plein. L'avantage, c'est que ce chargeur, il n'est pas trop mal fait, parce que vous avez un voyant rouge, quand vous le branchez, il est en charge. Quand il est vert, bah, c'est que c'est chargé. Les poignées de frein, elles sont réglables pour la taille des mimines. Donc vous avez une petite molette, clac, 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 vous réglez, et vous pouvez avoir un réglage au niveau de votre morphologie qui va s'adapter. Donc ça veut dire qu'un garçon va avoir tendance à, plutôt qu'à des grandes paluches, bah, il va le mettre au max. Et puis une nana qui a des petites mains, bah, elle va tendance à le rapprocher. Ça ne changera rien à la qualité de freinage, mais c'est quand même un confort important. Vous avez quand même un coupe-circuit, vous avez veilleuse code, interrupteur code phare, les clignotants avec un retour automatique, le klaxon, les appels de phare. Et puis il est bien foutu, vous avez une fourche inversée qui est de bonne qualité, vous avez un amortisseur arrière, bah, qui fait le job, hein, avec un système d'articulation un peu particulier que je n'ai pas démonté, mais je pense que vous pouvez peut-être le trouver sur la toile. Voilà, bah, pour le tour du propriétaire. Si les pneus, c'est des tailles quad, voilà, c'est des gros pneus, mais on les trouve dans une catégorie quad. C'est du basse pression et puis ça se monte très facilement. Le moteur, comme vous avez pu l'apercevoir, il est dans la roue arrière. Quand vous accélérez, pour ceux qui connaissent la moto, ça fait un peu comme les anciennes BM à cardan. Elles ont tendance à monter du cul. C'est rigolo,
C'est sympa. Ça accélère pas mal. C'est-à-dire, immatriculé 50, moi je veux bien. Mais un Minot avec sa boîte et puis un moteur un petit peu préparé, je peux vous assurer que si le boost il est en route, ça fera pas un pli. Hein. Sur les 100 premiers mètres, de toute façon, vous allez le mettre dans le vent, mais méchamment. Et je pense que même certaines 125 à l'accélération, vous allez les mettre dans le vent. C'est l'avantage de l'électrique, c'est qu'on a tout de suite les watts. Voilà, sinon un combiné bah, que je vous détaillerai tout à l'heure en plein jour quand on roulera. Et puis voilà, vous avez un blocage aussi de colonne de direction en guise d'antivol. Ça c'est plutôt positif tout ça. Bon, bien, maintenant qu'est-ce qui pourrait déconner sur ce véhicule? Alors, un, vous avez des sites internet. D'ailleurs, je fais un coucou à Philippe que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps et qui m'a posé pas mal de questions sur le véhicule parce qu'effectivement, il n'y a pas de vidéo sur ce véhicule sur YouTube. Il n'y en a quasiment pas. En tous les cas, bah, tant mieux pour moi, hein, je suis content. Puis j'espère que vous, ça va vous faire plaisir ce que je suis en train de vous expliquer puis que ça vous sera surtout utile. Donc oui, je disais, il y a des sites internet qui vous le proposent à 3990 TTC, plus les frais de livraison. Jusque-là, tout va bien, c'est tout à fait normal, c'est le tarif logique. Mais il y a des sites qui vous le proposent à 2500€ TTC. Camarades, fuyez, c'est une escroquerie, c'est impossible. Pour avoir été encore une fois à Milan et avoir discuté avec les fabricants, c'est-à-dire les Chinois, ça c'est un look italien, c'est un design italien, mais on est bien d'accord que tout est fabriqué en Chine. Le Chinois ne peut pas et ne vous vendra pas un véhicule à moins de 2000$ sorti de chaîne. Et là-dessus, c'est hors transport, hors frais douaniers, et vous n'avez pas la garantie constructeur là encore à ce prix là. Donc dites-vous bien qu'à 2500€ TTC livré, mais c'est impossible. C'est impossible. Ou alors c'est votre cousin, votre frère, votre mère, enfin je sais pas, elle vous fait un cadeau. Mais dans ce cas là, voilà, ce n'est pas possible. Et les gens se font escroquer. Donc 2500€, fuyez. 3990, c'est le prix normal. Et sûr, ça fait un peu cher, mais un tiers du prix, c'est déjà la batterie lithium. Et voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la Motor, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? C'est des gens qui sont sympas. Je pense qu'ils ont pris en pleine tronche le Covid-19 en Italie, hein, tout le monde le sait. Alors, c'est un peu compliqué de les avoir, même aujourd'hui où il y a des confinements, etc. C'est compliqué d'avoir des contacts avec eux. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous achetez du LEM Motor ou du Velociferro, on est d'accord que c'est la même chose, hein. C'est les mêmes produits, et voilà. Débrouillez-vous pour avoir un concessionnaire pas loin, ou que ça soit un mec physique qui soit capable de vous le vendre, parce que sinon je pense que vous allez avoir des problèmes, ne serait-ce que pour faire assumer une garantie, ou poser une question sur telle ou telle chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est un peu dégradé au fil du temps sans l'utiliser? Ben, pas grand-chose, si ce n'est les autocollants. Toutes les bandes, là, vous voyez, là, le jaune, tout ça, hein, sauf ici, mais tout le reste, et la plaque avant, évidemment, c'est peint, les autocollants sur le garde-boue avant, sur le garde-boue arrière, déjà, ils ont une forme avec une petite cuvette. Et ça se décolle. Ça a tendance à faire des bulles. Bon, alors c'est peut-être moi hein, qui les ai mal appliqués, parce qu'au départ, ils sont présentés, et après, vous les collez. Bon, c'est peut-être moi qui me suis mal démerdé. Mais il fait très chaud, ça n'aime pas trop la température. Ensuite, qu'est-ce qui peut éventuellement se dégrader dans le temps? Les plastiques, c'est du plastique dur. Je pense pas que ça accepte beaucoup de rayures. En tous les cas, ça va très vite marquer. C'est... voilà, c'est à peu près tout. Sinon... Vous le recevez en caisse, il est nickel, il est super bien protégé. Et malgré tout, je le kiffe ce truc. Voilà, alors pour vous donner une petite idée, je fais 1,71, je me suis peut-être tassé depuis. Hein. Je suis assez court sur Gibol, mais voilà, ça pose pas de problème. Hop. Et la position de conduite, elle est pas mal. Alors la selle, bon déjà, de toute façon, il vous annonce 60 km/h d'autonomie.
On est d'accord qu'il y a peu de chances, si vous êtes dans le plat pays, comme le fameux Philippe du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'il les fera. Ici, vous combinez chaleur et géographie montante, ça peut vite baisser à 40 bornes. Hein. Je vous le confirmerai, mais je pense qu'on est à peu près, plus à peu près à ça. Mais 40 bornes, plein, hein. Ok. Voilà les amis, donc le temps de s'équiper, et puis on vous fait les images. A tout de suite. Unlock the permanent speed. First do is turn on the slooter and pinch the brake. And then open the key. And then turn on the slooter for second time. Then release the slooter and the brake. Then you check the speeder.